les bandes sismiques et les renforts d'ouverture. Les bandes sismiques, armatures et connexions aux chaînages verticaux. Pour renforcer les murs en maçonnerie, il est nécessaire de construire des bandes horizontales en béton armé, qu'on appelle les bandes sismiques. Les bandes sismiques doivent être construites de la manière suivante. Avec deux barres de 10 mm de diamètre, avec des étriers de 6 mm de diamètre, écartés de 15 cm, la hauteur de la bande sismique ne doit pas dépasser 10 cm, en utilisant des séparateurs placés de chaque côté de l'armature. Pour connecter la bande sismique aux chaînages verticaux, ces deux barres d'armature doivent recouvrir d'au moins 30 cm celle du chaînage vertical. Une longueur de recouvrement inférieure ne garantit pas la stabilité de la structure. Si la bande sismique croise un chaînage vertical, il est important de respecter une longueur de recouvrement de 60 fois le diamètre des barres. Les renforts d'ouverture. Toutes les ouvertures, comme les fenêtres et les portes, doivent être renforcées sur leurs quatre côtés avec des renforts verticaux et horizontaux. Les renforts doivent être construits de la manière suivante. Avec deux barres de 10 mm de diamètre, avec des étriers de 6 mm de diamètre, écartés de 15 cm, en utilisant des séparateurs placés de chaque côté de l'armature. Chaque renfort vertical doit être connecté aux bandes sismiques ou au chaînage horizontal supérieur en respectant une longueur de recouvrement d'au moins 30 cm.